De nos séances d'écoute, dus luistersessies met de nadruk daarop, in het kader van onze, ja, hoe zou ik zeggen, het aanhoren van de diaspora. We hebben als eerste gast, comme première hôte, nous avons Mme Suzanne Moncassa qui est avec nous. Alors, elle m'a dit que sa présentation prendra environ une heure. En zoals jullie weten, is er daarna geen kans voor vraagstelling. Het debat volgt later. Ik moet ook onze voorzitter verontschuldigen, Wouter de Vriend, voor vandaag. En dus ik neem eventjes over. Dank u. Madame Moncassa, je vous donne la parole. Meneer de voorzitter. Ja. Meneer de voorzitter. Ja, ik luister. Meneer Ansé. Ja, klopt. Ik heb toch een vraag. Ik vind het een bijzonder vreemde formule. Ik begrijp niet waarom het een luistersessie is en waarom een gesprek eigenlijk met de spreker niet mogelijk zou zijn. Ik denk uitgerekend, als het gaat over dit soort thema's, lijkt een dialoog wel op haar plaats. Dus ik begrijp niet goed waarom dat vandaag niet kan. Ja, meneer Ranseer, dit zijn we op ons laatste overleg overeengekomen. Waren we het er over eens dat dit de beste manier is om met mensen om te gaan, waarvan toch velen ook in een slachtofferrol zitten, en dat wij daarna samen, allen samen, ons debat zullen voeren als we alle luistersessies achter ons hebben. Dit is zo overeengekomen, dus we gaan daar niet zeggen, op terugkomen. Ik moet zeggen, over die slachtofferrol op zich valt ook al een debat op zich te voeren, en dat moeten we vandaag inderdaad niet voeren. Maar ik vind het toch wel vreemd dat we eigenlijk al een sessie achter de rug hebben waarbij ons wordt opgedragen hoe we ons moeten uitdrukken en dat we nu een sessie hebben waarbij we ons al niet meer mogen uitdrukken. Voor een parlement is dat toch een zeer bevreemdende situatie, moet ik zeggen. Maar goed, ik vind het toch belangrijk om dat punt te maken en ik kan me toch niet aansluiten bij de consensus waar u naar verwijst. Ik heb dat in het verleden ook nooit gedaan. Oké. Okay. Meneer de voorzitter. Ja. Meneer de voorzitter. Ja, meneer Ravit. Ja, iets anders. Dus wij hebben dan vrijdag beslist gestemd over die begeleidende experten. U herinnert zich dat ongetwijfeld. Is het nu de bedoeling dat wij een mail krijgen van het commissiesecretariaat om onze voorstellen met namen in te dienen? Ik dacht dat, dat het die idee is dat u nu al uw namen indient. Maar ik zal vragen aan het secretariaat dat men dat nog eens expliciet per mail vraagt naar jullie toe. Ik denk dat zodanig dat iedereen goed op de hoogte is. Ja, want in de eerste mail was daar geen vraag voor, meneer de voorzitter. Dus als dat nog eens kan verduidelijkt worden. Oké, we zullen dat doen. Dank u. Madame Moncassa, c'est à vous. Mesdames, Messieurs les parlementaires qui composent la commission parlementaire spéciale sur le passé colonial belge au Congo, au Rwanda et au Burundi, c'est pour moi un honneur et tout autant une responsabilité que de vous présenter le contenu du travail réalisé dans le cadre de ce que nous nous sommes mis d'accord de nommer la dynamique qui s'est formée autour de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique, qu'en ce moment, j'ai la responsabilité de présider. Je suis également présidente d'Africalia, qui est un acteur institutionnel dans le cadre de la coopération belge dans le domaine culturel et plus précisément dans le cadre de l'accord de Cotonou entre l'Union africaine et l'Union européenne. Si je me trouve aujourd'hui dans ce lieu hautement symbolique qu'est le Parlement, autrement dit la maison du peuple, c'est par suite du fait d'avoir coordonné les travaux de la dynamique et d'avoir procédé à la rédaction du contenu du document que nous avons déjà remis
au président de la commission parlementaire spéciale, M. Wouter de Vriend, que vous représentez. Je voudrais maintenant vous faire part du contenu de ce document. La colonisation est une réalité historique humaine incontestable, pratiquée activement par les uns, subie et vécue par d'autres. Les tenants et aboutissants sur tous les plans et dans tous les domaines imaginables en sont suffisamment étudiés, documentés, connus et sont disponibles et parfaitement consultables et donc connaissable via des bibliothèques, des documents filmés, des témoignages recueillis. Nous pouvons parfaitement savoir, à condition de le vouloir. La colonisation en tant que système d'exploitation d'autres peuples présente et comporte divers aspects. Il y en a certes eu beaucoup de positifs, certains même très positifs. Il importe évidemment de ne pas les oublier ou vouloir les ignorer quand il s'agit de regarder cette histoire de manière rétrospective. Il n'empêche qu'en dépit de ce qui mérite d'être qualifié de véritablement positif, dans le contexte de l'aventure, puis de l'histoire, ayant abouti à l'expérience coloniale, force est de reconnaître que cette histoire coloniale s'est déroulée dans un contexte dans lequel les conséquences du fait de ne pas considérer les peuples colonisés comme étant des êtres humains à part entière se sont manifestées dans une multiplicité des formes qui se sont révélées particulièrement préjudiciables aux peuples colonisés. Pendant très longtemps, les membres des populations anciennement colonisées vivant dans les pays colonisateurs, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, ne disposaient que de récits transmis de génération en génération pour donner une forme à la manière dont tous ces événements et situations avaient été vécus. C'est ce qui détermine l'expérience vécue et partant ainsi la psychologie d'individus comme des collectivités et qui constitue une histoire doublée de mythes pour tout un chacun. Cela devient un héritage conscient mais aussi en partie inconscient, qui survit dans les individus comme dans les collectivités et qui, tôt ou tard, finit par remonter à la surface, à faire problème, à susciter des questions, parce que cela fait partie de l'identité profonde de tout un chacun. En tenant compte du fait que chacun aura à vivre avec ses questions et ses interrogations, il est nécessaire que la société s'efforce d'y apporter des réponses, pour le moins un début de réponse, afin de tendre vers le jour où il sera possible pour les membres de tous les groupes concernés d'aborder lucidement tous les aspects de ces questions et de pouvoir en dialoguer avec un état d'esprit responsable et ouvert. Dans un monde de plus en plus globalisé et dans une société de plus en plus mondialisée, où le vivre ensemble se présente, se pratique d'une manière totalement différente, c'est une noble mission que de vouloir et de pouvoir se pencher sur des problèmes d'une telle importance et complexité et d'essayer d'y voir plus clair en scrutant ensemble nos passés communs en vue d'un avenir meilleur.
L'un des sujets qui s'impose à la réflexion et qu'il convient d'analyser avec des arguments adéquats, valables, c'est la question des non-dits transmis d'une génération à l'autre qui finissent par sortir un jour, même et surtout dans le contexte d'une autre vie, dans une autre société, dans un autre continent. Nous sommes égaux en droit. La société belge aujourd'hui marque un tournant dans les défis qu'elle se doit de relever et pour lesquels elle se doit de faire appel à chaque citoyen et citoyenne sans distinction de quelque nature que ce soit, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, et ce, sans la moindre distinction sur base de leur origine ethnique, leurs croyances philosophiques et religieuses, leur orientation sexuelle ou sur base de leur handicap. À la société belge, dans de surcroît, on aime dire qu'elle est démocratique, incombe la responsabilité de veiller à la prise en compte des aspirations et des demandes des citoyens et citoyennes. La mise en place au niveau fédéral de la Commission parlementaire spéciale sur le passé colonial de la Belgique au Congo, Rwanda et au Burundi constitue en tant que telle un signal fort qui marque la fin d'une époque et requiert de revoir les mécanismes mis en place jusqu'à ce jour qui portent sur ce que d'aucuns appellent le vivre ensemble. Dans la mesure où les réponses à apporter à ce défi que l'on a pris l'habitude de qualifier de vivre ensemble correspondront aux demandes concrètes que constituent l'ouverture à la considération et le respect des identités des uns et des autres, la prise en compte de la diversité dans les institutions, aussi bien au niveau communal, régionale que fédérale, une répartition équitable de ressources qui rendent possible le fonctionnement des associations et des réseaux, aussi bien au niveau régional que fédéral, l'ouverture des conditions d'accès au marché de l'emploi qui prennent en compte la question du racisme, de la discrimination multiple, dans la mesure où les réponses des responsables prennent en compte ces aspirations qui constituent également des droits, la société belge, au sein de laquelle nous souhaitons et aimerions que chaque citoyen et citoyenne se sente chez soi, deviendra une société où le vivre ensemble s'instaurera effectivement et pourra se développer et évoluer favorablement. Cette initiative, qui émane d'un certain nombre de groupes parlementaires, constitue une opportunité pour les responsables politiques belges d'entendre également et directement les membres des diasporas dans le cadre de la société civile, notamment sur l'importance de l'impact des conséquences des politiques coloniales sur leur existence d'hier et de nos jours, de prendre en compte ce que ces membres des diasporas considèrent comme étant leurs priorités et leurs demandes dans le domaine de cette commission Vérité et Réconciliation. Les groupes de travail qui ont été mis en place constituent une étape dans ce processus qui requiert l'implication de chacun des membres et dont les résultats feront partie de l'ensemble des contributions des membres des diasporas. Dans le cadre de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique, les femmes de la diaspora congolaise, conscientes des contributions que d'autres membres de la diaspora congolaise, rwandaise et burundaise de Belgique apportent dans le cadre de la commission parlementaire spéciale sur le passé colonial de la Belgique, aussi bien à la société belge qu'à la société congolaise, rwandaise et burundaise, qu'il s'agisse des hommes aussi bien que des jeunes,
ont pris la responsabilité de coordonner le groupe de travail qui sont au nombre de 8. Ceux-ci ont fonctionné dans le contexte de ce qu'il a été convenu de nommer la dynamique autour de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique et veulent apporter leur contribution à la réflexion et présenter des recommandations pour ce qui est de la reconnaissance des conséquences des actes posés pendant la période coloniale et des recommandations à formuler afin que la société belge puisse évoluer de plus en plus vers une société où chaque citoyen et citoyenne, sans discrimination aucune, puisse se sentir à sa place, étant donné que les citoyennes et citoyens sont tous égaux en droit. Le groupe de travail. Pour constituer le groupe de travail, c'est le réseau de relations construit notamment autour de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique qui a servi de point de départ. Cette plateforme a notamment à son actif la publication du livre intitulé « Les femmes de la diaspora congolaise de Belgique s'expriment » qui a été publié par Chantier d'Afrique Édition en 2017, un ouvrage collectif qui relate des expériences de 129 femmes de la diaspora congolaise de Belgique. Compte tenu de l'importance et des enjeux que représente la mise en place de la commission parlementaire spéciale, d'autres personnes, parmi lesquelles également des hommes, ont rejoint la plateforme. Le but et l'intérêt de cette approche étaient de favoriser la prise en compte de la diversité des points de vue sur cette question, ainsi que de la complexité des sujets à aborder. Les groupes de travail qui ont été constitués étaient donc au nombre de 8. Quels étaient les sujets de ce groupe de travail? Lors de l'organisation du premier webinaire qui a réuni les personnes qui forment la dynamique autour de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique, le jalon de la première étape du travail a été posé qui a donné lieu à des prises de décision en ce qui concerne la détermination et les choix des groupes de travail. Les participants ont décidé des domaines problématiques à retenir dans le cadre de la dynamique et ont lancé le travail des différents groupes de travail. Il s'agit des domaines repris ci-dessous. Culture et production culturelle. Nous avons retenu le fait que la culture, c'est au départ ce qui fait développer et valoriser les capacités de la nature humaine en mettant en valeur notamment des éléments multiples présents dans son environnement. La culture produit témoigne d'un mode de pensée qui se concrétise par un savoir-faire. On peut donc considérer, à titre indicatif, la structure familiale ou par exemple un masque comme un type de production culturelle dans la mesure où celle-ci témoigne d'un savoir-faire. Je me permets déjà de présenter ici les recommandations qui ont été formulées par un groupe de jeunes qui ont donc participé au groupe de travail sur la culture et les productions culturelles. Ce groupe de travail s'est ensuite penché sur une classification de secteurs de la culture répartie comme suit. Les producteurs diffuseurs, donc les médias, et parmi les producteurs diffuseurs, il y a les acteurs, il y a le public. Ils ont considéré que parmi les acteurs, il convient de noter les artistes, les chercheurs et académiques, les auteurs, les mamans, les associations, les structures culturelles en Belgique, les influenceurs. Pour ce qui est du public, en fonction des différents cadres culturels,
Ils ont déterminé ce qui était important à prendre en compte, le théâtre, la musique folklorique, les jeunes en quête d'identité, les personnes ressources. Et ils en sont arrivés, ces jeunes, à considérer qu'il y avait une impasse dans le dialogue. Ils ont écrit ceci. Notre constat est que l'histoire doit aussi être la somme des histoires individuelles des protagonistes contemporains de cette période. Il reste encore des personnes qui ont connu et vécu l'époque coloniale. Il est par conséquent primordial de recueillir leurs récits pour assurer la transmission et le devoir de mémoire préalable, indispensable à toute réconciliation. Cette confrontation dans le récit devrait tenir compte des traces obtenues via la culture. En employant la culture comme vecteur, il sera plus facile de réunir, confronter et dialoguer sur les histoires individuelles et collectives pour construire une société belge plus juste, plus inclusive et plus solidaire, tenant compte de la richesse de sa diversité. Travailler dans le but de produire, ce sont leurs recommandations de ce groupe des jeunes, travailler dans le but de produire un mapping des acteurs culturels belgo-burundais, belgo-congolais et belgo-rwandais. Créer des espaces d'échange entre jeunes artistes belgo-belges, belgo-burundais, belgo-congolais et belgo-rwandais issus des différentes régions belges, la région de Bruxelles-Capitale, la région flamande et la région wallonne, ainsi que de prendre en compte les différentes communautés linguistiques. Il recommande également de créer des espaces d'échange et de rencontres d'artistes des différents acteurs culturels originaires du Burundi, du Congo ou du Rwanda. Encourager les expressions artistiques en guise de thérapies intercommunautaires. Créer des espaces d'échange intergénérationnels et interculturels pour garantir la transmission des différents points de vue historiques relatifs à l'histoire coloniale belge. Réaliser un inventaire et faciliter l'accès aux archives relatives à l'histoire coloniale dans toutes les institutions. Initier une journée nationale de la culture des pays des Grands Lacs. Garantir une représentation des communautés burundaises, congolaises et rwandaises dans le conseil d'administration du musée de l'Afrique centrale, donc le musée de Tervuren. Enfin, il recommande de co-construire le processus de restitution des œuvres d'art avec les communautés belgo-burundaises, belgo-congolaises et belgo-rwandaises et les autorités des pays concernés. C'était le groupe de travail culture et production culturelle. Un autre groupe de travail se penchait sur la question des femmes et des violences faites aux femmes. Nous constatons qu'il existe un fossé entre ce que sont les femmes congolaises, leur vécu dans les sociétés avant la colonisation, et leur vécu et les images qui sont véhiculées pendant la période coloniale. En tant que telle, la femme congolaise devient un thème de la propagande. Il s'agit de la femme à qui il faudrait tout apprendre. Soigner l'enfant, faire la cuisine, broder, devenir chrétiennement la parfaite épouse du noir civilisé. Pour ce faire, les autorités coloniales ont conçu l'idée de la création de ce qu'il était convenu
dénommée le foyer social, où lui seraient offertes des occasions d'apprendre ses métiers. S'agissant de la scolarisation, il faut convenir que ces femmes ont été admises à fréquenter l'école. Il importe de souligner qu'à l'époque coloniale, les jeunes filles ont plutôt été orientées vers les écoles dites ménagères. On peut également relever le fait que la femme est passée d'objet de convoitise en vue de l'assouvissement d'appétits sexuels au statut de bête de somme qui se consacre et se cantonne aux tâches ménagères ou encore à celui d'épouse et de génitrice de main-d'œuvre. Ainsi, les regards posés sur la femme à l'époque coloniale en tant que telle sont empreints de stéréotypes et de préjugés qui justifient des actes de racisme commis à l'égard des femmes. Un autre groupe de travail s'est penché sur le problème des jeunes qui vivent dans des centres et des familles d'accueil. Ce bref rapport, qui concerne les enfants placés ou adoptés pendant la période coloniale au Congo, porte sur un nombre assez restreint de témoignages qui n'ont pas été aisés à recueillir. Les investigations ne sont pas faciles, car les structures censées collaborer n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Pour certaines d'entre elles, le motif avancé étant les circonstances liées au COVID-19. Certaines personnes que l'on peut, à juste titre, considérer comme ayant été des victimes de cette pratique se sont abstenues de répondre et de fournir des informations, situation qui n'a pas non plus facilité la tâche. Cependant, il s'est trouvé d'autres personnes qui, après avoir été rassurées pour ce qui est du respect de l'anonymat, ont considéré qu'elles devaient saisir l'opportunité qui leur était offerte et ont accepté de livrer tant soit peu ce pan de l'histoire qu'elles ont vécu et dont les conséquences se ressentent encore de nos jours. Un autre groupe de travail s'est penché sur la question de l'enseignement et l'éducation. Ce groupe de travail s'est efforcé d'apporter des réponses à certaines questions que l'on pose lorsqu'il s'agit de réfléchir sur des changements à apporter dans ces domaines, pour autant que l'on soit disposé à tenir compte des caractéristiques des sociétés qui se veulent et s'avèrent de plus en plus ouvertes à d'autres modes de pensée, à d'autres spécificités culturelles, à vivre dans la perspective d'avancer vers une société ouverte à la diversité qui constitue une des richesses des sociétés postmodernes. La religion et la spiritualité, pendant et après la période coloniale, étaient un thème d'un autre groupe de travail. La religion et le colonialisme constituent deux faces de la même médaille. S'il ne s'avère pas faux d'affirmer que l'œuvre accomplie par des missionnaires, que ceux-ci soient protestants ou catholiques, a apporté une forme de bien-être aux populations qu'ils avaient comme mission d'évangéliser, il n'en reste pas moins vrai que pendant la période coloniale, la religion s'avère être un des instruments importants de l'entreprise coloniale. En effet, il s'agit d'un instrument dont les colonisateurs se sont servis afin d'imposer, bon gré mal gré, leur système de croyances, des croyances qui réorienteraient la vision du monde des colonisés, leurs préoccupations ainsi que les réponses de type existentiel qu'elles apportaient aux quêtes et aux aspirations profondes qui étaient les leurs.
Cette attitude vis-à-vis des croyances religieuses se trouve à la base de la naissance des mouvements religieux tels que celui de Simon Kimbangu, pour ne citer que ce mouvement-là, sur lequel le groupe de travail s'est également penché. Autre groupe de travail qui a traité le thème de l'économie et de l'exploitation des richesses naturelles pendant et après la période coloniale. Une illustration parmi d'autres, et non des moindres, des méfaits du système colonial, c'est la manière dont a été organisée l'exploitation de ressources naturelles aussi bien au Congo, au Rwanda et au Burundi. Le colonialisme est un système d'exploitation aussi bien de personnes que des ressources naturelles appartenant aux personnes qui vivent et travaillent dans leur milieu selon le mode de production qui répond à leurs besoins et qui correspond aux nécessités appelant des réponses que ces personnes aimeraient voir apportées en vue justement de voir leurs propres demandes satisfaites. C'est pour ces raisons que l'exploitation des ressources naturelles au Congo, au Rwanda et au Burundi est inhumaine, inacceptable. Et comme l'exprime bien le texte de la commission parlementaire spéciale, la Belgique doit d'abord et avant tout procéder à la reconnaissance des conséquences de cette exploitation. Ensuite, il s'agira de trouver les voies et moyens pour réparer les dommages causés par cette exploitation des richesses naturelles. Cela permettrait aux citoyennes et citoyens belges d'envisager ensemble, de chercher ensemble la méthode la plus appropriée pour parvenir un jour de la sorte à paver le chemin de la réconciliation. Un autre groupe de travail s'est penché sur la question des associations aujourd'hui. Et pour cause, l'existence des associations fait partie intégrante de la société belge. Dans leur volonté de formuler des réponses aux questions qui se posent, dans leur volonté d'apporter leur contribution à la recherche de solutions de type collectif aux défis que se doit de relever notre société multiculturelle, certains citoyennes et citoyens choisissent de s'engager dans la vie associative. Les compétences et les motivations diverses des membres qui composent ces associations constituent des richesses que les membres de ces associations apportent à la société. C'est donc, d'abord et avant tout, parce qu'elles constituent des apports positifs et constructifs à la société, que ces associations ont une place et méritent que leur soient accordées les ressources nécessaires pour autant que celles-ci leur permettent d'améliorer et d'optimaliser leurs apports à la société. Les expériences vécues pendant la colonisation au Congo et après la colonisation en Belgique ont également fait l'objet d'un groupe de travail. Afin de compléter le tableau, les membres de la dynamique ont considéré qu'il serait intéressant de prendre l'avis de quelques personnes ayant vécu au Congo pendant la période coloniale, puis en Belgique, désireuses elles-mêmes de participer à cette réflexion qui, en outre, peut susciter l'intérêt des jeunes nés et vivant ici sous l'aspect de la transmission du travail de mémoire.
Quelques observations sur le contenu de l'ensemble du groupe de travail. Les activités dans le cadre des 8 groupes de travail ont permis de mettre en évidence le fait que la colonisation belge au Congo, au Rwanda et au Burundi était une période où l'égalité de droit n'existait pas. L'inexistence de l'égalité des droits s'est accompagnée d'une augmentation de l'exploitation des ressources naturelles, d'inégalités au niveau socioculturel, de la négation des valeurs qui gouvernaient jusqu'alors la vie de ces sociétés, et cela alors même que la Belgique, dans son fonctionnement, prétendait être un État de droit, un État qui prétendait être administré par des institutions créées de manière démocratique. Cet état de fait n'a été remis en cause qu'occasionnellement et sans doute à trop petite échelle et ou à un niveau d'échelle trop peu haut par des individus dont les exemples n'étaient pas assez forts ou ne pouvaient être imités. De tels exemples de ceux qui ont remis, ont osé remettre en question ce système colonial, de tels exemples auraient pu donner lieu à une réflexion et, dans le meilleur des cas, à une prise de conscience, à une sensibilisation plus prononcée. On ne peut que conclure que cela ne s'est pas produit. Cela aurait pu contribuer à d'éventuels changements de comportement, à l'ajustement des positions ou même des actions. Doit-on alors supposer que le système n'aurait pas accepté cela? On peut donc à juste titre croire que cet état de fait et tout ce qui l'entoure sont aussi à l'origine d'un certain nombre de conséquences et d'attitudes que l'on ne peut s'empêcher de constater aujourd'hui. Je nomme le racisme et les discriminations, des mots que l'État belge doit combattre avec des mesures telles que les membres du groupe de travail le proposent dans les recommandations. L'ensemble des recommandations formulées dans les groupes de travail indiquent que la société belge de nos jours ne présente pas de bilan positif lorsqu'il s'agit de la question des inégalités dans la société. Il convient certes de prendre en compte des évolutions en matière d'égalité en droit, même si, à considérer les recommandations formulées dans les groupes de travail, cette reconnaissance, dans la majeure partie des cas, demeure une reconnaissance qui reste au niveau des écrits, qui reste sur papier. Considérant que les recommandations se doivent d'être mises en application, et cela ne pourra se faire qu'à condition que ceux et celles qui en ont la responsabilité veuillent bien y travailler, veuillent bien mettre en place des mécanismes qui rendraient possible cette mise en application, il importe en prélude au lancement de la mise en route des 10 mécanismes que ceux et celles à qui cette responsabilité incombe prévoient un moment qui aurait pour objectif de se prononcer sur le fait que la colonisation n'a pas été en mesure d'assurer l'application des droits humains, alors même que la Belgique avait adopté des instruments juridiques internationaux en matière de respect des droits humains. Parmi les recommandations qui émanent des différents groupes de travail,
qui sont reprises dans la partie du document que j'ai remis au président de la commission parlementaire spéciale, constituent un cadre qui a pu être élaboré en partant, d'une part, des idées qui ont fait l'objet des échanges de façon orale lors des rencontres qui ont eu lieu dans le cadre de travaux en groupe, d'autre part, en se servant de différents documents qui ont été présentés par écrit par les différents groupes de travail. L'on trouvera dans la partie du document qui suit deux parties distinctes. Dans le premier document, on trouvera le rapport du groupe de travail des jeunes sur la culture et les productions culturelles et artistiques, ainsi que le rapport du groupe de travail enseignement et éducation, qui sont reproduits tels quels, ils ont été transmis. Le texte remis par le groupe de travail enseignement et éducation constitue un exemple concret de recommandations par rapport à la problématique et les analyses qui ont été faites. Ces deux exemples, donc les recommandations du groupe des jeunes et les recommandations du travail du groupe sur l'enseignement et la formation, forment un bloc qui a été retenu à titre indicatif de la manière dont les membres du groupe de travail souhaitent voir se concrétiser les recommandations que l'on trouve à la fin du document dont je vous dis déjà qui a été remis à M. De Vrinde et les documents que j'ai également envoyés par e-mail au président de la commission parlementaire spéciale. Ces deux blocs de documents sont présentés à titre indicatif comme étant deux instruments complémentaires, dont l'un peut être considéré comme étant l'une des manières de rendre opérationnelle l'autre partie qui, quant à elle, comprend des recommandations qui pourraient être considérées comme étant des propositions à partir desquelles pourraient être formulées des politiques globales qui, après dialogue et échange, seraient à mettre en œuvre. Alors, les recommandations, le document qui clôture les travaux des groupes, les recommandations sont les suivantes. Pour autant que la société belge se prononce pour une société d'inclusion et non d'exclusion, les responsables politiques devraient s'efforcer de prendre en compte l'inclusion de chacun des groupes de personnes sans distinction de quelque nature que ce soit, dans le but de concrétiser cette prise en compte, les décideurs dans ce domaine auront à procéder à la mise en place des mécanismes, des outils bien ciblés selon les groupes, en tenant compte de chaque groupe, ce qui implique que ces mesures seront prévues pour être concrétisées dans le court, le moyen et le long terme, étant donné la diversité des nécessités. Pour autant que la société belge se prononce pour une organisation du marché de l'emploi qui prend en compte la diversité des profils des citoyens et citoyennes, ceux et celles qui portent la responsabilité de prendre la décision devraient parvenir à multiplier des opportunités et des mises en place de réglementations ou autres types de mécanismes à même de favoriser l'entrée au marché du travail pour toutes les personnes qui en ont besoin et qui doivent pouvoir bénéficier d'une formation de mise à niveau si cela s'avère nécessaire. Pour autant que la société belge se prononce pour la prise en compte au niveau de l'accès aux instances de prise de décision au niveau politique, les responsables en charge de l'organisation du pouvoir et de la répartition du pouvoir devraient s'efforcer de prendre en compte le fait que, et de s'assurer
que l'organisation dans ce domaine se fasse selon le mode qui intègre ceux et celles qui ne disposent d'aucune possibilité de se faire entendre au niveau des partis politiques. Pour autant que la société belge se prononce pour des mécanismes à même de prendre en compte la lutte contre toutes les formes de violence, les responsables politiques, en s'inspirant du modèle développé dans le cadre de la résolution 1325 des Nations Unies, qui considère que la lutte contre les violences, quelle que soit la nature de ces violences, doit être abordée selon les trois P que sont la prévention, la protection et la participation, les responsables politiques devraient prendre en compte la nécessité pour les victimes des violences d'être intégrées dans les structures et les organes de prise de décision et d'être en mesure d'évoluer dans le cadre de ces organes. Pour autant que la société belge se prononce pour des actions menées en vue de faire prendre conscience aux citoyens et aux citoyennes qu'un changement dans les comportements ne peut plus être souhaité, mais est une nécessité, les décideurs politiques devraient pouvoir se rendre compte du fait que l'information ainsi que la formation, d'une manière générale, constitue un préalable à toute modification de comportement dans une société, dans le respect de l'autre, dans ce qu'elle a de profondément humain, se doit d'être compté parmi les valeurs fondamentales dans une société qui se veut être un des modèles de démocratie et de respect dans le domaine des droits humains. Ainsi, mesdames et messieurs les parlementaires, se termine la lecture du contenu du document qui est le résultat, le produit des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de ce que nous nous sommes mis d'accord de nommer la dynamique autour de la plateforme des femmes de la diaspora congolaise de Belgique. À la question de savoir ce que les membres de la dynamique attendent de cette commission spéciale, c'est d'abord de prendre connaissance du contenu du document, qui est le fruit des 8 groupes de travail dont les thèmes vous ont été présenté. Ensuite, c'est d'apporter des réponses aux recommandations qui ont été formulées par les membres de différents groupes de travail. Et enfin, car cela s'avère nécessaire, je vous assure, mesdames et messieurs les parlementaires, il s'avère nécessaire de procéder à l'organisation de groupes de dialogue qui devraient pouvoir rassembler des citoyens et des citoyennes belges sans discrimination de quelque nature que ce soit, dans le but de procéder à l'écoute les uns des autres tout en respectant des divergences éventuelles de points de vue sur cette question du passé colonial belge au Congo, au Rwanda et au Burundi. Je vous remercie de nous avoir offert l'opportunité de présenter les résultats de notre travail, dont le texte a été envoyé par email et a été remis au président de la commission spéciale parlementaire sur papier et
je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. Merci, Madame Moncasa. J'ai bien entendu que vos documents de recommandation sont maintenant déjà chez notre président. Alors, je vais lui demander la mise à disposition de tous nos membres des documents que vous mentionnez. Et je suis très heureux que vous avez commencé avec un groupe de travail où la culture peut nous emmener plus près les uns des autres. Pour moi, c'est un exemple de comment on peut se trouver dans le futur, ça c'est certain. Je vous remercie. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez rester pour la prochaine réunion qu'on a maintenant avec Madame Tracy Tanzia, comme vous voulez. C'est à vous de décider. Merci. Ik geef het nu het woord aan mevrouw Tracy Tanzia, als zij ons hoort en ziet. Ja, ik hoor jullie. Oké. Okay. Horen jullie mij? Ja, wij horen u ook. Dus dan mag u van start gaan. Eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Ik ga het in het Nederlands doen. Misschien af en toe mijn aantal Franse woorden, maar exposé, eerste Franse woord, zal in het Nederlands zijn. Ik zal korter zijn dan mevrouw Suzanne Moncasa, voor twee redenen, omdat ik liever korter ben. En allez, zij heeft ook een heel werk verricht. En ik heb ook COVID, mijn resultaten gehad, dus ik ben ziek. Maar ik vond het toch belangrijk om hier vandaag te zijn, omdat ja, dit werk is belangrijk voor mij en voor heel veel leden van de diaspora. Eerst en vooral wil ik iets vertellen over mijn achtergrond. Ik denk niet dat alle commissieleden mij kennen. Ik ben Tracy Bibotantia. Ik ben geboren in Namen, maar in Wallonië, maar opgegroeid in Vlaams-Brabant. Mijn ouders zijn Congolese politieke vluchtelingen. Ik ben op universiteit naar Gent gegaan, waar ik politieke wetenschappen heb gedaan. En ik heb een aantal jaren in België gewerkt, in het Brusselse parlement onder andere. En op dit ogenblik woon en werk ik in Kinshasa voor 1111. Dus zoals jullie kunnen zien, ben ik geboren in Wallonië, opgegroeid in Vlaanderen, gewerkt in Brussel. Dus ik ben een echte Belg. Nee, maar waarom ik dat zeg, is dat belangrijk. Omdat wanneer we spreken over de Congolese diaspora en de erkenning van wat ze meemaken, is het belangrijk om te zien dat wij eigenlijk een onderdeel zijn van de Belgische maatschappij. Wij zijn het product eigenlijk van kolonisatie, omdat mijn ouders in de jaren 80 naar België zijn gekomen door het regime van Mobutu. Maar wij zijn opgegroeid in Vlaanderen en zonder kolonisatie waren wij hier vandaag niet. Dus over het rapport. Ik heb een aantal vragen gekregen van de voorzitter die ik ga proberen te beantwoorden. Eerst en vooral, ik heb tijd gehad om het rapport te lezen. Bijna alle 670 pagina's. Mijn eerste aanbeveling is ook al voor de commissie. En voor iedereen dat het rapport zou moeten worden gevulgariseerd. Dat wil zeggen dat het toegankelijker moet zijn. Dat iedereen kan begrijpen wat er in het rapport staat. Want er zijn twee zaken die ik ondertussen heb opgemerkt. De eerste zaak is dat heel veel mensen blijven nog altijd zeggen van ja, maar we moeten de positieve zaken van de kolonisatie onderlijnen. Maar wanneer je het rapport leest, zijn er bijna 20 pagina's die uitleggen waarom we niet meer mogen spreken over de politieke zaken, de positieve zaken van de kolonisatie. Voor mijn werk, voor 1111 geef ik decolonisatie workshops, ateliers aan onze partners. En wanneer ik spreek over kolonisatie, zeg ik dat kolonisatie was een systeem gebaseerd op de superioriteit van witte ras ten opzichte van de zwarte. Het was een racistisch systeem en het was een gewelddadig systeem. En wanneer we spreken over kolonisatie, moeten we spreken over het systeem. En daarom mogen we niet zeggen dat het een positief systeem was. Want wanneer ik het goed uitleg, is het iets negatiefs.
En waarom is het belangrijk om dat te zeggen? Omdat heel veel mensen precies nog altijd willen zeggen, en ook wanneer we spreken over het rapport, zonder het in detail te lezen, van ja, maar we moeten toch spreken over het positieve van kolonisatie. Ik denk dat wij moeten afstappen van het debat over het positieve van kolonisatie. Kolonisatie was een slecht systeem, punt. Maar er waren toch mensen die positieve zaken hebben gedaan. Ik denk dat dat een mooie nuance is, want ik ken ook heel veel oud-kolonialen die ik echt als vrienden zie. En die hebben positieve zaken gedaan, maar het systeem waarin ze zaten was niet altijd even positief. Dus ik denk dat dat al een eerste zaak is dat belangrijk is. En wanneer we het rapport vulgariseren en toch toegankelijker maken aan een groter publiek, zullen ze die nuance wel goed begrijpen. Het tweede punt is het punt over herstel. Daar heb ik ook heel veel over gelezen. Nu spreek ik echt vooral over het rapport. Zonder dat veel mensen het rapport hebben gelezen, waren ze al van, ja, maar wij moeten niet betalen voor wat onze voorouders hebben gedaan. Wat is dat hier allemaal? Ze willen herstelbetaling en hun corrupte politici en zo. Herstel is veel meer dan geld. Hè? En ik denk dat dat ook een tweede aanbeveling is voor de commissie om dat verder te onderzoeken. Sorry. Het gaat voor veel meer dan geld en veel meer dan enkel middelen doorsturen aan Congo, waar er heel veel corrupte politici zijn. Het gaat om erkenning over wat er gebeurd is. En erkennen dat, kijk, kolonisatie was een fout systeem. Dat is het eerste. Wanneer die erkenning is, al een heel groot vorm van herstel. En wanneer die erkenning is, dus eerst en vooral kennis over wat er is gebeurd, want de kennis blijft beperkt. Dan is er erkenning. Dan kunnen we over excuses spreken. Wie die excuses moet zeggen, wordt ook in het rapport vermeld. En wanneer die excuses komen, komt er herstel. En herstel is veel meer dan een bedrag aan Congo gestort op de rekening van de Congolese politici. Dus dat zijn twee zaken die ik toch wel belangrijk vind. De herstel en het positieve van kolonisatie. En die twee zaken, om die nuances, om ervoor te zorgen dat de mensen, de Belgische bevolking en de Congolese bevolking, die nuances goed begrijpen, is het belangrijk dat het rapport wordt gevulgariseerd en toegankelijker wordt gemaakt aan de mensen. Dat zijn de twee punten waarmee ik wil starten. De voorzitter heeft mij gevraagd om te spreken over de methodologie. Wat denk ik dat belangrijk is voor de toekomst van de commissie? Het is sowieso belangrijk dat er hoorzittingen komen. En niet enkel in België, maar ook in Congo, Rwanda en Burundi. Want tot nu toe was het een heel Belgische affaire. Belgisch met Congolese diaspora. Ik ben diaspora, maar ik woon in Congo. Maar er zijn heel veel Congolezen die ook iets te zeggen hebben over kolonisatie. Ook Rwandese en Burundese. Dus de hoorzitting, de commissie, zou zich echt naar Congo, Rwanda en Burundi moeten verplaatsen om te luisteren naar die mensen. En ik denk dat er verschillende kanalen zijn. Er zijn veel NGO's die partners hebben die rond kolonisatie werken of die daarmee bezig zijn. Maar ik denk ook de Belgische ambassade heeft ook al contact met verschillende mensen. Alhoewel dat daar een Belgisch meer perspectief in zou zijn. Maar ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn voor de commissie om zich te verplaatsen en om te luisteren naar de mensen hier. Wat ik daarbij wil zeggen is dat, ik heb heel kort over mijn eigen gesproken, maar een van mijn opa's was Evolué. Ik denk dat jullie weten wat Evolué is. Hè. Als jullie het rapport lezen, wordt er ook uitgelegd wat een Evolué is. En wanneer we spreken met Congolezen vandaag, zijn er heel veel mensen die nog leven zoals Evolués. En wat wil ik daarmee zeggen, is dat heel veel mensen nog altijd de Belgen op hun piedestal zetten. Terecht, onterecht, dat weet ik niet. Omdat ze een heel deel van hun cultuur hebben afgestaan tijdens kolonisatie. Mama Suzanne heeft dat ook gezegd. De Congolese cultuur was barbaars, het was niet ontwikkeld en het was niet civilisé. En om geciviliseerd te zijn, moest je echt evolué zijn. Moest je eten zoals de Belgen,
praten zoals de Belgen, zich kleden zoals de Belgen. En waarom zeg je dat mijn opa evolué was? Het was belangrijk omdat hij zich ook kleden als de Belgen, praten als de Belgen en zich gedroeg als de Belgen. En ik weet dat toen hij is gestorven, de dag nadat hij is gestorven, is mijn grootoma is gestopt met naar de katholieke kerk te gaan en ze is meteen terug naar de Kimbaristische kerk te gaan. Ze zei van, nu dat opa gestorven is, moet ik teruggaan naar mijn cultuur. Maar heel veel mensen hebben die stap niet gedaan en zitten nog altijd in het evolué-mentaliteit. En daarmee, wanneer dat je wilt naar Congo komen, of dat de commissie naar Congo komt om te spreken met mensen, moeten ze niet enkel met mensen spreken die zeggen van de kolonisatie was positief. Omdat ze moeten beseffen dat die mensen nog altijd op een mentale manier gekoloniseerd zijn. En dat is waar, want kolonisatie was niet enkel van het territorium, maar het was ook van de geest en mentaal. En wanneer ik met Congolezen hier spreek over kolonisatie, eerst willen ze daar niet over spreken. Ze zeggen van, waarom komt ze daarover spreken? Maar als je een bepaalde vertrouwensband hebt, dan beginnen ze toch erover te spreken en over de impact en het neocolonialisme van vandaag. Dus ik denk dat dat toch wel ook een advies is voor de commissie. 1. Kolonisatie was niet enkel van het territorium, maar ook van de geest. Dus wanneer we spreken met Congolezen vandaag, kan het nog dat ze heel positief klinken over kolonisatie. En dit 2, omdat ze niet altijd een vertrouwensband hebben met de persoon waarmee dat ze spreken. Dus dat is mijn punt. En dan inhoudelijk, dus dat is over dus de methodologie en het feit dat hoorzittingen echt in Congo, Rwanda en Burundi moeten plaatsvinden. Dat is onontbeerlijk. Anders blijft het zo een Belgisch verhaal. 2, inhoud. ik spreek hier als individu, maar ik werk ook voor 11/11 en ik denk dat het belangrijk is ook om te kijken over herstel en op welke mate is ontwikkelingssamenwerking herstel, ja of nee. En zoals ik eerder zei, is herstel veel meer dan geld. Het gaat om erkenning, het gaat om veel meer dan dat. Dus dat is ook een belangrijk aspect om dat heel breder te onderzoeken. En dan over de diaspora. De diaspora in België is heel heterogeen. Ik ga enkel vanuit mijn Congolees perspectief spreken. Ik woon in Congo en in Congo en Kinshasa wonen er 14 miljoen inwoners. In heel het land 101 miljoen inwoners. Dus wanneer we kijken, de diaspora is heel divers en heel heterogeen. Er is niet één stem. Maar het is en het blijft belangrijk en onontbeerlijk om die diaspora te betrekken in de volgende stappen die er zullen komen met de commissie. Door hoorzittingen te organiseren, niet enkel met organisaties, maar ook met individuen in de diaspora die een bepaalde stem hebben, die een bepaalde kennis hebben over kolonisatie. Omdat het dankzij ook die diaspora, dat we vandaag die commissie hebben. Niet enkel de Black Lives Matter movement, hè, dat was denk ik 2 jaar geleden, of 1 jaar geleden, maar de diaspora is al jaren bezig in België, zowel aan de Franstalige als de Nederlandstalige kant, met decolonisatie. Ik denk dat de eerste keer dat ik over kolonisatie heb geschreven in een krant of gesproken, of dat waren meer over de standbeelden van Leopold II, een heel sujet sensible. Toen kreeg ik echt letterlijk in mijn inbox mails van mensen die zeiden van als we zien op straat gaan wij u verkrachten. Het geweld gelinkt aan het spreken van kolonisatie en decolonisatie is echt erg. En ik moet zeggen, ik had dat onderschat. Maar de tijden zijn veranderd. Vandaag is er een hele commissie over de thema's waarover ik in publieke opinie begon te spreken een aantal jaar geleden. En daarom is het belangrijk om het werk van de diaspora, individuen, organisaties te erkennen. Omdat zij, zonder de diaspora was er vandaag die commissie niet. Zonder al die stemmen. En hoe hoe kan de commissie ze betrekken door hoorzitting te organiseren enkel met de diaspora? En dan kom ik ook op mijn punt over het racisme vandaag en het verband met kolonisatie en het racisme vandaag. Want het racisme vandaag, het is vooral die diaspora die dat meemaakt. In België.
En we kunnen niet spreken over decolonisatie zonder te spreken over het racisme die de zwarte mensen vandaag meemaken. Dus ik hoop dat de commissie in de toekomst echt die diaspora zal betrekken, maar ook zal nadenken over antiracisme wetten op zwarte mensen. En voor zwarte mensen. Waarom zeg ik enkel voor zwarte mensen? Omdat in België, ik heb heel lang in de Belgische politiek ook gewerkt en ik was actief, spraken we over discriminatie. En willen we niet echt over racisme spreken. Maar het is belangrijk om over racisme te spreken, want het is jammer genoeg een zaak van kleur. Ik zou ook graag willen wonen in België, wanneer ik in België ben, in een land waar ze niet naar de kleur kijken. Maar het is nog altijd een probleem. En er is een verband met kolonisatie. Dus antiracisme wetten die echt de focus leggen op zwarte mensen, is belangrijk. En ik hoop echt dat dit rapport en ook de werkzaamheden van de commissie in de komende weken daar een focus zullen op leggen. Op die antiracisme wetten die een focus leggen op het lijden van zwarte mensen en het racisme die zwarte mensen maken. Daar bestaan al rapporten over. Ik denk dat het Europees Netwerk tegen Racisme, INAR, een rapport had gemaakt over afrofobie in Europa. En daar ook werd er een verband gelegd met kolonisatie en slavernij in sommige landen. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Ten slotte is verzoening ook belangrijk. Ik denk dat de commissie... Ik wil niet over Congo spreken, want ik ben van de diaspora en ik heb een privilege die bijvoorbeeld sommige mensen van Congo niet hebben. Toegang tot bepaalde informatie die sommige mensen van Congo, Rwanda en Burundi niet hebben. Daarmee dat ik echt wel nog de nadruk leg op die commissie en hoorzittingen te organiseren hier in Congo, Rwanda en Burundi. Maar wanneer ik spreek over de diaspora, is verzoening ook belangrijk. De commissie en de werkzaamheden van de commissie moeten leiden tot erkenning van wat er is gebeurd. Dat nog een impact heeft op ons vandaag. Maar het moet ook leiden tot verzoening. Dat ik als kleinkind van de kolonisatie kan zeggen van kijk, ik vergeef België, ik zeg België in het algemeen, voor wat er is gebeurd. Laten we werken aan een toekomst waar we samen kunnen werken. Samen kunnen leven. En ik denk dat dat belangrijk is. En voor verzoening te komen is belangrijk om te luisteren naar alle verhalen van de slachtoffers, van de oud-kolonialen. Die hebben ook een plaats. En te komen tot conclusies die tot verzoening kunnen leiden. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik ben echt ziek. Dus ik doe me echt mijn best. Ik ben mijn best aan het doen om mijn laatste puntjes mee te geven. Maar ik denk dat dit toch wel een grote deel is van wat ik wou meegeven vandaag. Dus over het vulgariseren van het rapport. Een methodologie die ervoor zorgt dat de commissieleden naar Congo, Rwanda en Burundi komen. Erkenning van het werk van de diaspora en komen tot verzoening. En vooral ook luisteren naar die Congolese stemmen en in uw achterhoofd houden dat heel veel mensen nog op hun geest en toch gekoloniseerd zijn in de geest. Dus niet alles dat je hoort over de positieve van de kolonisatie is altijd wel objectief. Dat is toch wat ik wil zeggen vandaag. Ik heb minder lang gesproken dan mevrouw Suzanne. Maar ik hoop dat het toch wel krachtig genoeg was. En ik blijf toch in de toekomst beschikbaar als er nog vragen zijn van de commissie. Voilà, dat was het. Dank u, mevrouw Tansia. Het was vooral heel duidelijk. Ik heb ook met veel interesse uw boek gelezen. En ik raad dat aan iedereen aan. En dank u dus voor dit mooie exposé. En we willen u allemaal samen alleszins een spoedig herstel toewensen. Dank u en tot ziens, ongetwijfeld, daar. Misschien in Congo. Meneer de voorzitter, ik heb nog twee vraagjes met betrekking tot de werking. Beide spreeksters hebben verwezen naar document
dat meneer De Vriend, onze vaste voorzitter, bezorgd had. Nu, ik kan me niet herinneren dat daar een vaste vragenlijst of zo besproken geweest is in deze commissie. Het lijkt me wel interessant dat, dat wij dat bericht ook zouden ter inzage meekrijgen als leden van deze commissie, zodanig dat wij een beetje kunnen inschatten welke vragen er precies vanuit de voorzitter gesteld zijn. En ten tweede ben ik uiteraard samen met u benieuwd naar het document waar mevrouw Moncassa in het bijzonder naar verwees. Dus ik kijk ook uit naar het doorsturen van dat document. Ik zou misschien meteen ook de vraag willen stellen, die vooral gericht is aan meneer De Vriend, momenteel spijtig genoeg afwezig, of indien er in de toekomst nog voorafgaandelijk schriftelijke documentatie bezorgd wordt door de genodigden, dat het dan ook meteen naar ons mag verzonden worden. Ik denk dat dat het te gemakkelijker wordt om ook ons als leden van de commissie voor te bereiden en gerichtere vragen te gaan stellen, of gerichter te luisteren. Het zijn luistersessies. Gerichter te luisteren naar de gasten die we hier ontvangen. Ja, meneer Hogeman, ik kan u volgen in uw twee vragen, dus we zullen die overmaken aan meneer De Vriend. Dank u. En nog één aspectje misschien, ja, nog kort mag, meneer de voorzitter. Mevrouw Tansia heeft aangegeven dat ze zelf nog bereid is om vragen te beantwoorden. Ik wil graag eens polsen in welk format dat we die dan kunnen stellen en doorgeven aan mevrouw. Wel, ik stel voor dat ik ook deze vraag meeneem naar de voorzitter en dat we die op onze volgende meeting bespreken. Want ik vind dat een goede vraag, ja. Alleszins. Zijn er nog vragen? Ja, doe het, question. Nee, dan madame Gilson, oui. Oui, effectivement, je voudrais reprendre aussi cette même demande, puisque madame nous a dit qu'elle était disposée à répondre à nos questions, mais nous, on nous a dit que dans la manière de travailler aujourd'hui, c'était une séance d'écoute uniquement. Donc, est-ce qu'il y aura une deuxième séance où on pourra poser des questions ? Ou est-ce que ce sera uniquement de manière écrite? Je pense que c'est quelque chose dont la Commission devrait discuter à l'occasion d'un point ordre des travaux. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Gilson. Ja, meneer Hogeman. Ik zou misschien een constructief voorstel willen doen, meneer de voorzitter, want onze zitting deze namiddag is nu vrij kort gedaan. Er was een manier van werken afgesproken, maar uiteraard is deze commissie meester van haar eigen werkzaamheden. Misschien uiteraard, door de voorwaarden dat mevrouw daartoe bereid is, is nu onder ons. De gelegenheid biedt zich niet zo vaak aan dat we in dialoog kunnen gaan. Het woord dialoog is hier deze namiddag vaak gevallen en het belang daarvan is door beide spreeksters onderstreept. Aangezien mevrouw Tansia zelf aangeeft bereid te zijn vragen te beantwoorden, zou ik hier de vraag ter tafel willen leggen of het voorstel dat we eventuele vragen nu ter zitting zouden kunnen stellen. Mevrouw kan dan zelf naar gelang haar voorkeur ter zitting antwoorden of als zij dat zou verkiezen, later onder schriftelijke vorm. Maar we zijn hier nu met elkaar, we gaan nu in dialoog, we hebben geluisterd naar het verhaal. Ik zou graag nog meer luisteren. En dus dat is het voorstel dat ik hier graag ter tafel leg. Wel, dit was onze eerste meeting. We hebben ook voor het eerst gehoord dat iemand wel direct met ons in dialoog wil gaan. Dus ik stel voor dat we dat ook op onze volgende ontmoeting bespreken. Of dat we dat gewoon op onze volgende ontmoeting bespreken om te zien of we uitzonderingen gaan maken. Hè, of we ons houden aan de regel. Voor iedereen alleen luistersessies en daarna eventueel in tweede instantie toch hoorzittingen met diegenen die dat willen. Of alleen ons eigen debat. Maar ik stel voor dat we die verschillende vragen op de volgende vergadering terug ter beslissing leggen. Ja, mevrouw Tansia. Ja, bedankt voor het woord. Ik denk dat het belangrijk was dat wij vandaag eigenlijk konden spreken zonder vragen, omdat, zoals ik eerder heb gezegd, ik ben van Congolese afkomst, ik ben diaspora, dus ik ben een beetje ik ben eigenlijk slachtoffer van kolonisatie in die zin. En dat het een safe space zou zijn, zodat ik mij op mijn gemak zou kunnen voelen. Maar in de toekomst blijf ik echt wel bereid voor vragen. Dus als er vragen zijn via mail of voor een andere hoorzitting is, ik denk ook dat Suzanne daarvoor bereid zal zijn, blijven wij bereid.
om hierover een antwoord op te geven. Oké, dank u voor de verduidelijking. Zijn er nog vragen? Ja, meneer Delacroix. Ja. Meneer Delacroix, ja. Oui, merci, monsieur le Président. Je n'ai pas de particules nobiliaires, donc c'est bien monsieur Lacroix. Mais je crois que madame Tansia a bien résumé sa position. Donc, je pense que toutes les victimes sont disposées à un moment donné de répondre aux questions que nous voudrions leur poser. Mais la méthodologie que vous avez rappelée, monsieur le Président, et qui a fait l'objet d'un vote, c'est de faire en sorte que dans un premier élan de dignité et de respect, nous nous contentons simplement d'écouter les victimes qui ont beaucoup à nous dire. Et le cas échéant, si nous devons revenir dans le cadre du processus de réconciliation, le processus d'enquête, le processus de recherche que nous allons mener tous ensemble, et comme Madame Ancassa l'a rappelé également, c'est bien d'une démarche collective, du tous ensemble, nous verrons à ce moment-là. Mais si nous devons alors revoir la méthodologie, il faudra en reparler, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans l'ordre des travaux. Mais je pense que nous devons poursuivre jusqu'à présent le chemin que nous avons tracé, qui est celui de l'écoute, de la dignité et du respect par rapport aux victimes ou aux représentants des victimes de la colonisation. Merci, Monsieur Lacroix. D'autres questions, andere vragen, andere opmerkingen? Dan dank ik u allen voor uw aanwezigheid, zowel op het scherm als hier in de zaal. En dan zien we elkaar terug volgende week maandag, denk ik. En we krijgen ook nog een overzicht van wie we dan zullen horen. En als het kan, en er zijn documenten op voorhand, dat we die ook op voorhand toegestuurd krijgen. Dank u. Ja, meneer Roggeman. Ja, zeer kort nog, meneer de voorzitter, maar ik hoor u verwijzen naar een nieuwe zitting. Volgende week maandag is er misschien al een ontwerpkalender voor de komende maanden, dat wij toch een beetje een idee hebben, ook voor onze werkplanning te kunnen organiseren. Ik denk dat wij elk van ons heel veel werk op de plank heeft, ook de komende weken en maanden nog. Het zou handig zijn, mochten we daarin toch een beetje een praktische richtlijn kunnen krijgen over de vergadermomenten. Wel, ik zal ook voorstellen dat we volgende week een dergelijk schema kunnen voorleggen, want u hebt gelijk, het is voor ons allemaal moeilijk. We krijgen altijd maar vergaderingen bij. Ook, ik stel voor dat we dat volgende week voorleggen, een lijst, een overzicht van de volgende data. Ik denk dat het nu eerder nog moeilijk was, omdat we moesten zien of we de leden van de diaspora al op onze meetings kregen. Maar die data, ik begrijp uw bekommernis terecht.